Bonjour. Bonjour. Oh, c'est mortel. Je le kiffe grave, cet appart. Tu penses qu'on peut les boucher, ces fenêtres à la con? Avec mon copain, on voudrait se faire une salle de cinéma, grand écran, Dolby Surround. Ouais, faut voir avec le syndic, c'est un immeuble classé quand même. C'est pas vraiment un problème pour moi. J'aime les chattes. Quand je rentre dans la boîte, j'ai la trique. Toutes les chattes des putes sont moites, c'est pratique. Ça cartonne grave en ce moment, c'est mon daron qui produit. Si tu fais le deal avec le syndic, il t'allongera un bon gros chèque pour l'agence. Ok, on n'est pas la Starac ici, t'atterris. Connasse. M'entends-tu même dans le silence passe. Une colonie de petits animaux donne un jour supplémentaire à vivre passe. Léger, surtout léger, le goût qu'il donne. Fique mais segura, para que depois esteja até ao fim dos trabalhos. Eu estou admirado que as câmaras não fiquem ligadas. Vamos tomar mais café? Não, não pode ser, porque temos que ir embora, porque está o chefe de chantear à nossa espera na Banca Popular. É? Mas estava bom, estava sim, senhor. Temos que ir embora. Está mais onde vai, melhor. Arminda, pagou-te amanhã? Está bem, pode pagar-me amanhã, não há problema. Está bem. Un deuxième corps à la nuit passe. Les autres l'observant, le jardin donne. Du champ à leur vision passe. À même le buis, c'est le récit qu'elle donne. Imbattable. Vous n'allez pas me croire, mesdames, hein? 19,90 €. Je vais faire une petite démonstration. Vous voyez, voilà le balai qui est plié, n'est-ce pas? Comme ça, très léger. Vous ouvrez. Et puis voilà, vous prenez la taille que vous voulez, vous voyez? Et sans fatigue, vous glissez sur le parquet comme sur du velours. Voilà. Vous voyez, ça se fait tout seul, hein? Madame, vous voulez essayer?
peut pas habiter plus loin, ce con. Jacquemart. Asseyez-vous. Vous avez l'air accablé. C'est votre premier séjour à Fresnes? Vous voulez boire quelque chose? Oui, un calva. Non, une bière. Une bière sera bien. Arminda, une super box, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais j'avais une petite faim. Je vous en prie, je vous en prie. Quand l'appétit va, tout va, n'est-ce pas? Merci. Vous désirez manger quelque chose? Non. Bon, qu'attendez-vous de moi? Avant tout, une grande disponibilité. Je suis là. Je vous demande de garder cette affaire pour vous. Oui, je vous l'ai déjà écrit. Chez Solferino Mobilier, c'est confidentialité assurée. Vraiment? Vraiment. Si vous voulez, on peut faire ça au noir, hein, c'est pas un souci. Que diriez-vous de changer de travail? Vous êtes sérieux? Je crois déjà vous l'avoir précisé dans mon message. Je voudrais que vous couchiez ma vie sur du papier. Ça, c'est la meilleure. Et vous savez que je suis romancier? Ah ouais, j'ai besoin d'une bonne plume. Un nègre, ouais. Et qu'est-ce qui vous fait croire que moi, j'ai envie de... Et pour 20 000 euros. Merde! Ça vous intéresse pas? Si, si, toutes les histoires m'intéressent, mais... il faut que j'y aille, là. Ah, partez pas comme ça, laissez-moi un numéro. Oui, bien sûr. Tenez. Au revoir. Je voudrais que vous couchiez ma vie sur du papier. Et qu'est-ce qui vous fait croire que moi j'ai envie de... Et pour 20 000 euros. Vous avez le polar de Nick Larsen de l'autre côté du chaos, c'est sorti. Bonsoir. Bonsoir, oui. Donc un polar de Nick Larsen, de l'autre côté du chaos. C'est sorti chez Dark Edition. Non. Non? Pas réédité. Ah. Vous êtes l'auteur? Non, non. Merci. Stronzo! Pardon, pardon. Oui. Asseyez-vous déjà. Oui. Ok, bah, ouais, j'y serai. À la cafétéria, ok. Oui, j'y serai. J'y serai. Voilà, allez, c'est mignon. Voilà, merci. C'est bien, bravo. Votre dossier?
Ah oui, merci, hein, oui, à bientôt. Oui, et très bien, allez. Ok. Prenez cette bonbonne. Ah, puis l'autre là-haut aussi. Et on est là pour faire les courses pour parler. Oh, c'est un jeune homme bien pressé, non? Ben oui, quoi. Fermez la porte. Les bouteilles devant le tableau. Il est beau, hein? Café? Oui, merci. On dirait un Dali, votre tableau, là. Mais c'en est un? Vous foutez de moi? Non, non. Il se trouve que je l'ai rencontré. Vous êtes déjà allé à Cadaqués? Ben, je l'ai fait rire, alors il me l'a offert. À la fin de sa vie, figurez-vous, cher ami, qu'il distribuait à ses bouquins une feuille blanche en mettant sa signature. Et il leur disait, tenez, faites donc un Dali et puis devenez riche. Vous m'avez pas répondu pour Cadaqués. Mmh. Cadaqués, non, je suis jamais allé. Et d'ailleurs, j'aime pas Dali. Amer, votre café. Votre polar aussi. Et vous pensez qu'il y a matière à tirer plus de 300 pages sur Cadaqués? Cadaqués, sûrement pas. Mais il y a d'autres choses. Ça, par exemple. Pierre-Jacques Mar, ok. J'avais pas fait le rapprochement. Mais désolé, non, aucun souvenir. Ça date de Mathusalem, ça. Moi, je suis de 78. Mais si, voyons, le jeu des 1000 francs, la tête et les jambes, le mariage de Sheila avec Mourosi, les premiers pas sur la lune, bah, c'était moi, avec Zitrone.
Vous étiez le Foucault de l'époque? Ah, certainement pas. Plutôt le genre Michel Drucker? La comparaison ne me convient pas davantage, non. À l'époque, on s'en battait les couilles de plaire à la femme de moins de 50 ans. Elle n'avait pas que pour le fric. Oui, la télé de papa, ça peut le faire. Il suffit d'aller chez Michel Lafon. Mon cher ami, il y a une question à laquelle vous auriez dû et pu répondre. Maintenant, il n'est pas trop tard. Hein. Pourquoi vous ? Où sont vos toilettes ? Dans le corridor à gauche. Et vous le voyez quand et comment, le premier versement ? 10 000 aujourd'hui, et puis le reste viendra. Il suffit de passer à ma banque. Et elle est où, votre banque ? À 2 minutes en voiture. Est-ce que vous avez une voiture, vous ? Ah bah oui, bien sûr. Allez, on y va. Et vous prenez le Dali ? Oui, faut le mettre au coffre. Allez, vite, fermez la porte. Ouais, ouais. Tiens, assieds-toi là. Attention. Hein. Bonjour. Monsieur. Suivant. Mais c'est à vous, monsieur. Non, non. Bon. Je voudrais voir le directeur de l'agence. C'est pour aller au coffre. Vous avez pris rendez-vous, monsieur ? Le Dali. Vite. Montre-le à notre ami. T'es beau, hein? Ça vous embouche un coin. Bon, maintenant, à vous de jouer. Le jeu des 1000 francs, enfin, non, je veux dire des 1000 euros. Le peintre Dali. Italien, français, portugais? Top chrono, vous avez 50 secondes. Réponse. Ah oui, dépêchez-vous, parce que vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Hein. Ah, Dali, sa nationalité, ah, je savais. Attention, 30 secondes. Ah eh si, vous l'avez là. Mais oui, 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 oui. Je sais. Oui. Je vois plus. Oui, bon, écoutez. Monsieur Joker, pour notre candidat, qui tout double. Ah, pour 1000 euros, double. Oui, mais Dali, italien, français, portugais. Catalan, évidemment. Bravo, bah, il a trouvé, c'est formidable ça. Bravo, monsieur. Bon, c'est quoi ce papier, là ? C'est monsieur. Bon, qu'est-ce qui se passe, là ? Je voudrais mettre ce tableau au coffre. Oui, c'est un Dali, hein. Ça va chercher dans les 10 millions d'euros. Vous avez le certificat ? Pourquoi ? Vous doutez ? Bah oui, bah regarde et montre-lui le tableau à la dame. En bas à gauche, la signature. Hein ? C'est une caméra cachée. C'est pour la télé, c'est ça ? Non, c'est un braquage. Là-dessous, il y a une arme. Alors, vous faites ce que je dis, hein ? Bon, alors maintenant, tu t'occupes de lui, toi. Allez, vite ! Bon, bah, faites ce qu'il dit, vite. Bougez pas, hein. J'ai 100 000 en coupure de 500, ça vous dérange pas ? Oh, oui, ça ira. Allez, fiston, prends le fric, on se tire. Bonne journée. Merci. Au revoir. Pierre Jacquemart vous a présenté le jeu des 100 000 euros. Et monsieur, je sais tout, il a pensé aux flics ? Oui, mais la télésurveillance a été arrêtée à cause des travaux.
Pas vu, pas pris. C'est un bel enfoiré. Parce que ma carrière littéraire, ça, vous y avez pas pensé, vous vous en foutez. Mais de quelle carrière littéraire me parlez-vous ? Je suis un auteur, moi. Bon, je peux peut-être vous déposer à Solferino Immobilier. Drôle. Très drôle. Et vous faites quoi si j'appelle les flics, hein ? Vous faites quoi ? Bah, qu'est-ce que tu leur dirais aux flics, petit con ? Eh ben, je leur dirais que... Je leur dirais que je suis le témoin du braquage de la populaire à Fresnes. Ah oui, c'est ça que tu viens de commettre. Tu leur diras peut-être aussi que tu as un arriéré de plus de 2 ans de loyer que tu n'as pas honoré. Puis tu peux leur dire aussi que tu as écopé de 6 mois de suspension de permis pour avoir conduit en état d'ébriété avec refus d'obtempérer en 2006. Et cerise sur le gâteau, t'as tout cassé chez ton éditeur. Tu sais qui l'a porté plainte ? Il a porté plainte, ce salaud ? Et comment vous savez tout ça ? Ah, moi j'ai mes informations. C'est pas loyal. Moi aussi, t'en verras d'autres, allez. Ah, vous m'avez bien enfumé avec ce Facebook. Ah, les rencontres de Facebook sont souvent improbables. Ok, on la top. Chapeau l'artiste. Mais 50-50, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, Pierre, je peux t'appeler Pierre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors ? On passe de l'autre côté, Fissa. Que sera votre vie ?